Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo super spéciale pour le coup. C'est vrai que je fais vraiment de temps en temps des vidéos sur des hauts, sur des vêtements, mais là ça va un peu changer. On va prendre des vêtements spécialisés dans le mariage en tant qu'invité, bah voilà, des robes que j'aurais pu mettre au mariage. J'ai fait une commande chez Zalando, donc je viens de recevoir le gros colis avec différentes robes. J'ai vraiment essayé de prendre plusieurs styles, des choses, enfin des robes que je n'aurais pas mises forcément à un mariage, des différentes couleurs, etc. Donc franchement j'ai trop hâte, et puis ce que je vous propose également c'est de donner des notes. Donc moi pareil, de mon côté je vais mettre des notes sur 10 à chaque robe, et vous également vous pouvez jouer le jeu à distance et en mettant donc les notes de chaque robe dans les commentaires si vous le souhaitez. Et puis ben c'est parti, on va essayer tout ça tout de suite. Je vous retrouve maintenant debout dans le salon pour essayer les robes. Donc je vais prendre une robe au pif, au hasard. Donc du coup je vais commencer par cette robe. Donc c'est une robe longue bleue. Pour vous montrer un petit peu avant de l'essayer, sachant que les marques je les connais pas forcément, parce que comme c'est chez Zalando, donc en fait ils sont en partenariat avec plusieurs marques, des marques qu'on connaît pas forcément. Ça c'est la robe de la marque Enlightened. Je sais pas du tout comment on peut prononcer ça, mais en gros c'est cette marque là si jamais ça vous intéresse. J'ai pris en taille M. C'est une robe vraiment archi longue. Moi qui n'ai pas grande de base, je vais mettre des talons pour me voilà paraître un peu plus grande. Au niveau du dos, c'est vraiment coupé. Enfin, c'est à dos nu. Je trouve que ça peut faire une très très jolie robe à mettre à un mariage. Je vais essayer ça et je vais vous montrer porter comment ça donne. Voilà le résultat. Franchement j'aime beaucoup. Je vais essayer de tourner un peu pour vous montrer de haut en bas si je peux. Donc voilà. Good morning. Sans rigoler, la robe elle est vraiment trop canon. Je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement je mettrai une note de 8 sur 10. Je sais pas si vous avez vu au dos comment c'est, mais je trouve que ça fait vraiment bien. Ça change un peu pour ce thème là, on valide. Et non franchement j'ai rien à dire. Ensuite donc je vais essayer cette robe là. C'est une robe noire, plutôt longue aussi, mais pas comme celui-ci pour le coup. Elle est un petit peu moins longue. Ce qui fait un peu la différence c'est sur le côté, parce que je sais pas si vous voyez vu que c'est une robe noire, mais en gros sur le côté c'est un peu façon espagnole j'ai l'impression. Donc on va essayer et on va voir comment ça donne sur moi. Concernant la deuxième robe, niveau taille je sais pas ce qui se passe, mais en tout cas ça a plus de complications que prévu. Contrairement à la première robe, genre j'ai du mal à passer. En vrai la robe est pas mal. Je pense que si je perds 5 kilos, entre 3 et 5 kilos, je pense que je passe crème. Niveau design comme ça qui va sur le cou, ça change un peu. C'est vrai que j'ai pas l'habitude de mettre ce genre de robe, mais du coup ça met, je trouve, les épaules en avant. Donc surtout ne pas hésiter à se mettre droite. Je pense que je mettrai un 7 pour cette robe, parce que bah, au final globalement j'aime beaucoup. Ce qui est bien aussi franchement sur cette robe, c'est que en fait pour le coup, oui c'est une robe qui peut se mettre à des fiançailles, à un mariage, mais par contre ça peut être aussi une robe qui peut être mise à un anniversaire ou à une soirée, je pense. Je sais pas pourquoi je suis essoufflée, mais je suis vraiment essoufflée là. On va passer à la prochaine. Je vais prendre celle-ci. C'est une robe verte que je trouve que ça fait pas trop mariage pour le coup. Donc je vais porter la robe et je vous montre tout de suite. J'ai l'impression qu'il y a un petit défaut ici parce que ça s'enlève un peu. Et là par contre, il y a comme une sorte de ceinture qui est accrochée à la robe. Je sais pas trop comment mettre ça par contre, mais en tout cas vous pouvez le mettre de différentes manières. Voilà au niveau de la robe. En vrai globalement ça va. La robe elle est pas moche, mais en tout cas ce que j'ai remarqué, la couleur en fait ne reflète pas de la même manière au niveau de la caméra. Puisque je trouve que sur la caméra c'est vraiment un joli vert, alors que là en réalité c'est un vert fluo à moitié, donc je trouve ça moins beau. Bon, du coup je vais défiler un petit tour. Personnellement c'est pas du tout une robe que j'aurais mis à un mariage ou à des fiançailles. Donc du coup franchement au niveau de la note je pense que je vais mettre un 5 sur 10. C'est un peu la gênance, je vous avoue, puisque là c'est une robe rien à voir avec le mariage. En fait c'est une robe vraiment très très
Je sais même pas quoi dire. Franchement, c'est une robe démesurée. En vrai, au niveau de la matière, c'est une matière super agréable puisque c'est très fluide, un peu comme la robe verte que je vous ai montrée tout à l'heure. Mais par contre, je peux pas vous montrer, mais devant, c'est une catastrophe. Ce qui fait que, eh bien, je mettrai une note de... Pour l'effort, allez, on va mettre du 4 sur 10. Je me mets de dos parce que là ça va être la grande surprise parce que vous êtes vraiment pas prêt à voir la robe que je viens d'essayer. Est-ce que vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Franchement, c'est une robe de princesse. Genre vraiment, regardez juste la taille et le modèle, enfin genre il est super bien. Au niveau du modèle, enfin le design, j'aime trop. C'est un peu en mode perle en fait, une vraie robe de princesse de Disney quoi. En gros, juste pour vous montrer du coup comment c'est au niveau de la robe ici. Donc en fait on est bien protégé pour le coup parce qu'en gros il y a cette matière là un peu transparent. Donc on peut le voir dans la caméra. Et puis ensuite, ici il y a aussi une autre matière un peu plus glissant, enfin quelque chose de assez, je sais pas comment vous dire ça, mais c'est vraiment une matière qui est glissante. Et donc en fait on a deux matières, deux couches au niveau du bas. Donc ce qui fait que ça fait un peu de bruit, je sais pas si vous entendez. Donc ça fait un peu de bruit, mais c'est pas dérangeant je pense. Je vais essayer si ça fonctionne ou pas avec cette robe, la tornade là. Ah oui, un peu. En tout cas, moi ce que je pense c'est que si tu mets cette robe là, il y a grave moyen que les gens ils croient que c'est toi la mariée par contre. Donc si tu ne veux pas que les gens ont les yeux sur toi et qu'ils te prennent pas tout simplement pour la mariée, je pense qu'il faut éviter la robe. Mais par contre ce que je me demande c'est que si tu mets pas ça en mariage... En tant qu'invité, tu mets ça quand alors? Parce que ça, c'est sûr que tu vas pas pouvoir mettre pour aller acheter les courses à Lidl ou un truc comme ça. Donc franchement, je comprends pas. Ou peut-être quand j'irai promener mon chien. Hein, Loki? Bref, il est parti. Il veut pas de moi. Mais en tout cas, cette robe, elle est magnifique. Mais je sais vraiment pas à quel moment et à quel endroit il va falloir porter. Parce que imagine, la mariée, elle prend mal que tu t'habilles comme ça. Franchement, il manque plus que la couronne pour devenir une princesse. En plus, j'ai une couronne de pierre. Attendez, je vais vous la ramener. Voilà. Là, je suis prête à postuler pour le canal Disney pour passer dans les films. Donc, si vous voulez de moi, pas de soucis. Je suis équipée. Ensuite, pour la prochaine robe, donc c'est à nouveau une robe noire. Déjà, point positif à relever, c'est que contrairement à toutes les robes que j'ai essayées, c'est que celle-ci est la plus simple à porter et à le mettre en fait surtout. Après, globalement, je trouve que c'est une robe assez basique. C'est ça aussi, je pense, sur le côté qui fait que ça va, ça fait assez élégant. Attendez, je vais faire encore une fois, comme à mon habitude, un petit défilé pour vous montrer. Non, franchement, elle est super belle. Et aussi bien au niveau des points positifs, c'est que c'est également une robe qui peut se mettre ailleurs pour d'autres événements. Franchement, je pense que pour cette robe-là, je mettrais aussi un 8 sur 10, puisqu'elle est bien, elle fait l'affaire aussi pour un mariage. Je trouve qu'elle est confortable aussi portée, rien à dire. Donc au niveau des robes, donc c'est toutes ces robes-là que j'ai achetées sur Zalando. Donc j'ai vraiment fait le tour au niveau des essayages. Par contre, ce que je vous propose, c'est de porter deux robes en plus. Même si je ne l'ai pas acheté, il n'est pas tout neuf, on va dire. Toutefois, ça va dans le thème du mariage. Donc je vais vous montrer. Donc c'est toutes les deux des robes rouges. Donc je vais commencer par celui-là, la robe magnifique pour ce genre d'événement. Donc c'est comme ça à dentelle, un peu transparent au milieu. Et pareil, c'est une robe hyper longue. Bon allez, moins de blabla, plus d'action, je vous montre ça. Voilà le résultat. Franchement, j'adore. J'ai rien à dire, je suis pas déçue de mon achat. Trop trop belle. Et je trouve qu'elle rend un petit peu grande, puisque comme c'est une robe longue, comme la bleue d'ailleurs, elle me rend un peu fine et assez grande. Bon, même si je triche un tout petit peu avec les talons. Mais ce n'est pas grave. Franchement, j'adore. Rien à dire. Et aussi ce que j'aime bien c'est que en fait le noir et le rouge ça se marie vraiment super bien. Et je vais vite terminer avec cette robe là, la toute dernière parce que je vois que j'ai presque plus de batterie. Donc voilà, donc j'arrive tout de suite. Et voici du coup la dernière robe. Je l'ai achetée il y a quelques années de ça. Donc ça me rend plus comme avant puisque j'ai pris un peu de kilos en plus. Mais globalement ça va, ça fait toujours l'affaire. Pour mettre ça en fiançailles, je dirais même plus à un fiançailles qu'à un mariage.
Quoique pour un mariage ça peut aussi faire l'affaire. Donc je valide aussi pour cette robe. Donc je sais pas laquelle vous a le plus plu on va dire. En tout cas n'hésitez pas à noter ça dans les commentaires. Ça me ferait énormément plaisir. Et puis ce que je vous propose c'est de vous retrouver dans une prochaine vidéo très bientôt. Et puis je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine.